Allô? Je veux parler à Eric Vincent. Eric n'est pas là. Dis-lui simplement que c'était quelqu'un qui sait qui il est. T'as pas envie de savoir ce qu'il a à te dire, ce type? Non. Votre père a été un très bon ami. Mais de quoi t'as peur? J'ai pas peur. Je suis en possession de ses cendres. Vous me parlez des cendres d'un parfait inconnu, là. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de te parler de quelque chose qui compte énormément pour moi. Et cette chose, c'est l'enfant qu'on pourrait faire tous les deux, sauf qu'il n'y a pas moyen. Je vous ai fait attendre. Vous le connaissez bien, mon père? Je veux dire, depuis longtemps? Ah oui, très. C'est ce dont je vous avais parlé. Non, mais j'ai ses cendres à côté de moi, là. Et ça va? Je serai là dans une heure. Vous êtes bloqué ici? Ouais, j'ai mon essuie-glace qui est cassé. Et vous? Moi, je suis de passage. Putain, lui. En tout cas, ils vont faire une drôle de tête en voyant ce qu'ils ont volé. Qui t'a réparé? Si tu bouges pas, c'est moi qui viens. Tu devrais pas rester à la maison cette nuit. Savoir ce qui se passe. T'aurais pas dû venir ici. Y a pas de place dans ma vie pour des gens comme vous. Il y a 2 cartouches dans cette arme. Si tu retrouves ma fille, tu me sauves la vie. Tu fais un truc beau. C'est les photos de la fille. Merci. On va pas vers le beau, tu sais. C'est quoi ce bordel, là? Tu sens la mort, Eric. Parfois, je me dis que rien de tout ça est arrivé. Et qu'il suffirait d'une bonne nuit pour effacer ce que j'ai vécu. Comment font les gens? Ils oublient.